my own world of make-believe. Coucou à YouTube, c'est Viewer513, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'aujourd'hui, c'est TomTom. Pour le deuxième épisode de Pepsi Creep New Gen, j'ai décidé de le faire rapidement cette intro pour pas qu'ils aient le temps de se foutre de ma gueule, même si je sais qu'ils sont déjà en train de le faire. Quelle intro de merde, Joris va se faire voir. Et sinon, pendant vraiment les 10 minutes qu'il y a eu entre les deux épisodes, en fait j'ai attendu que le soleil remonte, j'ai juste creusé une vieille galerie pétée, on se prend le front. Et j'ai aussi fait un coffre. Ah! J'ai aussi loot ça dans le dernier épisode, c'est sympa. Oh putain! Petit. En fait, c'est le daron, on est les enfants. Oui, clairement! Franchement, vous me souvenez. Oui! Bon, on va mettre ça là. C'est mieux de dire allô au con! Allô au con? Oh là là. Donc, on va aller dans une vraie grotte, hein, parce que honnêtement, ma galerie pétée. Voilà, tu sais, deux secondes. Allez, tiens, il pleut. Ah, mais c'est bien. Ah, c'est bien ma chance, ça. Alors, je peux dire un truc. Pour ceux qui sont pas en vacances, bah, je sais. Ah, ouais, allez vous faire enculer. Pardon. Excusez-moi. Et c'est l'heureux. Voilà. Et c'est la mort aussi. Ouais, bah, c'est la mort, mais ça, c'est parce qu'il y a un putain de zombie qui a décidé de. Allez, les coupures hein, dans cette série, c'est incroyable. Hein. Regardez toutes mes anciennes vidéos, toutes les 4 secondes, je dis ellipse. Non, c'est quelque chose que j'adore dire. Ok. Ellipse. On va nager. Bon, allez. Ouais. Tiens, par contre, c'est plus fort là dehors. Hein. Ouais. C'est la raja. Hein. C'est la raja. On est vraiment les Mongoliens. C'est la S. Non. Ah, 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 coup, je vais aller quand même récupérer mon stuff. Du coup, c'est très triste. Du coup, je sais pas combien de miennes j'ai loupé. A priori, 2. Antoine, c'est vrai, c'est du coup. Du quoi? Hein? D'accord, Joris. Non, 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 non. Des phrases, tu dis du coup. Arrête de rajouter de la merde. Je vais te lâcher une caisse avec. Ok. D'accord. Putain, je suis dès que j'étais niveau 6, c'est là. Oh. Hein, je suis 13. Eh mec, je suis sûr, il y a un nouveau concept. Genre, je filme aussi et tu mets les deux écrans en même temps. Quel nouveau concept? Oh là là. Wow. Il était de merde. Ouais, vraiment. J'ai pas le poliment. Parle pas poliment si j'ai pas envie de parler poliment. Oh. Victime. Me suis levé. Super beau, je parle. Je parle avec pas trop de la poulasse. Et n'oublie pas que vous faites 1 mètre. Oui. Non, 1 mètre. C'est tout. Fais... Ça va pas bugger. Que... Ah, ok, ouais, pas moi. Tu fais sucer par tous les profs. Même une bête par an. Il va te faire voir, mais c'est incroyable ça. De vous voir là, hein. Ouais. Alors, vous avez vraiment de la chance d'avoir Antoine. Ouais. Parce qu'il s'exprime très très bien. En gros, je t'explique. Il y a mon prof de français qui m'a juste sollicité. Parce que je sais pas, il y en avait une réunion et que j'étais juste. Non, ils étaient pour rien. En gros, il peut très bien dire Antoine. Et donc, ce mec est grave jaloux. Et donc, ben voilà. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre que les profs. Ben donc, tais-toi. C'est vrai. Typiquement. Tu t'en fous, tais-toi! Surtout que j'ai pas envie, enfin je suis pas gay. J'ai un compte gay. Je les aime pas trop. Quoi? Oh Joris, franchement tais-toi! Tu sais que t'es sur la chaîne! C'est pas grave! Tu sais qu'à tout moment je peux couper ton son juste et on t'entend pas jusqu'à la fin de la vidéo. Ah, ouais. Ou on peut arrêter la diffusion des ornithorins de saison 2. Tu comprends ça, Joris, c'est très grave. Bon, arrêtez ce passé. Tu peux trouver un de vous deux, genre Antoine par exemple, pour voir ce qu'il faut. Non. Bah, c'est ma mission, qu'on me trouve pas. Quoi, je sens, j'ai entendu mon frère rentrer, je sens qu'il va vouloir rentrer. Oui, que ça va être le même problème que tout à l'heure. Exactement, putain, il vient de rentrer dans la chambre, il me saoule. Re. Thomas.
Ouais. Il y a un re qui pop comme ça. Bon, bah, la voix de ta mère, elle est bien vieillie, ma voix. Elle est bien quoi? La baby. Femme ta gueule. Ouais, genre. Vraiment. Qui parlait, non? Ben non. C'est ma grand-mère après. Bah voilà, pour ça. On peut commencer à faire notre base? Bah oui. Mais je sais pas qu'est-ce que vous attendez. Voilà, j'ai fait une semi-base dans la terre, mais après je vais. Mais bouger. Est-ce qu'on se donne des cours pour à peu près les bases? Non. Bah moi je vais pas faire la mienne. Tu l'as fait où tu veux. Et après on se retrouvera en droit. Oh, y'a un Enderman ici, attends, incroyable. Attends, c'est ici que j'ai mis. Je viens de tuer un Enderman. Bon, incroyable, qui m'a looté une perle de l'End. Ok. On peut la faire où on veut. Je vais tenter. Ouais. Par contre, faut retenir Echo, quoi. Si on la paie. Bah. Je vais noter sur un papier. Alors, où je peux la faire? Enfin, qu'est-ce que je veux faire déjà de base? Mec, je vais noter sur un papier, il va perdre le papier de base. C'est marrant parce qu'on parle de base. Hein? Oh, non. Allez, Ouais. Ouais, ouais. ça tourne là? Ah ouais, ça tourne. Cette blague a été clippée en même temps. Ah bah. Ben, j'aime les bébés. Et ce somme. Il aime bien Link the Sun, il a dit. J'ai entendu, j'aime bien Link the Sun. C'est ce qu'il a dit? Oui. Allez. Il a pas dit ça du tout. Putain, t'as dit quoi? Tu sais très bien que j'ai la vidéo, donc que je vais revoir ce passage. Mais tu le reverras. Ah, y'a un esprit! Oh. Charlie, aide-moi! Ah oh, putain. Yes. Non mais ça fait flipper ce truc, il fait. T'as vu? C'est là, il fait. Putain. Timide vache. Timide vache pour bien les esprits. Définition d'esprit par Joyce. Joyce, c'est quoi un esprit? C'est un truc qui fait. Tout qui fait. Ah, y'a les petites araignées de merde là. Y'a un spawner à petites araignées de merde. Des fois ta web. Par contre, je veux de suite arrêter. J'ai une question, si on fait cuire du sable normal, du sable dans le. Du sable orange, est-ce que ça fait quand même des vitres? Oui, ça fait des vitres normales, pas des vitres orange. Mais ça, c'est un peu genre la base. Ouais. Que tout bon Minecraft. J'ai jamais essayé de faire ça, moi. Je suis gamin. Moi, je fais que du PVP de base. Hein. D'ailleurs, je pense que après, je vais en faire moi du PVP. D'accord. Comme ça, en fait. Je sens quitter là, ouais. On doit finir. D'accord. Il se hâte. Une seule chose, c'est de se casser. Bah, yes. Non, pas du tout. Bah, non. Ouais, j'ai envie de tourner un autre épisode après. D'accord. Moi, je fais ça toute la soirée. Ouais, moi non, quand même. Deux épisodes, c'est déjà bien. Ouais, en vrai, ouais. Parce qu'après, il faut. Non, deux épisodes, c'est bien. Parce qu'après, il faut quand même avoir le retour des gens. Ouais. Exactement. C'est ce que j'allais dire. T'as quelque chose à foutre. Est-ce qu'on en a quelque chose? Toi, jamais tu peux devenir youtubeur. Ouais, clairement. Bon, j'en ai très clairement rien à foutre de vous. Allez, faire en filet. C'est ça. D'accord, Joris. Reviens quand t'auras une co. Mais je parle poliment en fait. Tu sais qu'on a même pas entendu ce que t'as dit. Ouais. Est-ce que j'ai quelque chose à... quand même, enfin tu parles, enfin moi. Genre le mec parle pour dire quelque chose. Ouais, je te promets. Et on n'entend pas, il dit est-ce que j'en ai rien à foutre. On a tourné que des pièges de Ndiamar. Mais quoi? Mais de vous. Mais gros, il met des bouts de phrases. Ouais.
De Jésus. La mort. Mais non, non. Ça, il parle, mais on sait pas. Putain, ils se foutent de ma gueule. Je sais pas en quelle langue il parle. Putain, regardez comme ils sont des connards. Non, mais alors, déjà, tout à l'heure, du coup, de la mienne, bon. Putain, mais toi, c'est pas pareil. Hein? Qui rira bien, rira le dernier. Aïe. Parce que qui rira bien, qui rira le dernier. Ok, ça se fait. Ok, ça se niveau dans ma tête. D'accord, donc t'as vraiment dit ce que j'ai dit. Ouais, j'ai. Mec, ah, attends. Ah putain. En fait, j'ai mal à l'œil parce que tout à l'heure j'ai fait l'héliteur de mon chat. Est-ce que ça t'intéresse? Non, mais écoute, non, mais vraiment, c'est intéressant. Fait l'héliteur de mon chat. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un très gros sac et que tout le haut était vide. Ce qui fait que, genre, il y avait plein d'air dedans. Quoi. Donc, au moment de le reposer, ça fait. Ouais, alors, j'ai mis très bien les sacs. Ça fait. Et donc, bah, du coup, je me suis plein de, tu sais, les tout petits gravillons de litière. Ouais. Du coup, je m'en suis pris plein dans la gueule et je crois que j'en ai un dans l'œil. Donc, ça fait très mal. Voilà, c'était l'info très peu pertinente. Hein. Je vais en faire une par épisode d'info très peu pertinente. Un okay, bon. Moi, je vais raconter une anecdote par épisode. Et non, mais toi, on s'en bat vraiment les couilles par contre. Ouais, genre toi, un peu. Pardon. Non. Et une fois par épisode, j'ai raconté une anecdote et le prochain épisode, je dis c'est. Ok. Alors l'anecdote, c'est. Attends, parce que j'ai pas voulu de l'anecdote. Vas-y, je vais gâcher tout le suspense à chaque fois. En disant déjà si c'est vrai ou c'est faux. Parce que je le sais. Tu peux pas savoir d'autre. Si. N'oublie pas que tu me racontes bien ta vie quand même. Hein. Sur l'échelle de racontage de vie, on est sur un bon 7 sur 10. C'est bien 7 sur 10. C'est sympa. Je me suis tout fait avec une tête. Vrai ou faux? De quoi? Je me suis tout fait avec une tête. Bah oui, tu me l'as dit ça. C'est vrai. Oui. Ah là là, j'ai gâché tout son suspense. Bon, en même temps, une anecdote aussi pourrie, si elle était fausse. Voilà quoi. Un peu une merde. Un peu, ouais, voilà. Déjà que là. Ouais, enfin, bref. Déjà, hein, genre on persécute. D'accord, Joris. Ok. Faites attention, Joris, on va te persécuter. C'est pas ma faute, Discord sur téléphone, c'est vraiment de la merde. Mais déjà, pourquoi t'es sur Discord sur téléphone? Moi, ouais, j'avoue, c'est déjà. Ça, c'est une erreur. C'est chez moi et du coup, je suis en 4G. Ah. Oh, la 4G. La 4G. La 4G. La 4G. Gueule. Yes. Ouais, mais est-ce qu'on doit fermer notre gueule en 4G? C'est une vraie question. Je suis en Wi-Fi, moi. Ah, mais de putain, mais... moi pire, je suis en Ethernet. Bon, je suis en. Ouais. Je suis déjà. Moi, je suis branché. Là. Eh, toi, t'es chez Brand, là. Eh, mais. Excusez-moi. Pas de blague. T'es chez Brand, là. Eh, mais toi. Eh, toi, tu dois brancher des meufs. Allez. Faites des rires gênés un peu. Oh, mec. Oh, tu fais super bien le rire gêné, toi. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait des blagues géantes? À part moi, hein, bien sûr. Moi, ça compte pour 5, finalement. Ah oui, mais ma soeur, genre, en fait, elle est petite. Et du coup, ah oui. Elle croit faire des blagues marrantes. Et vu que ma famille, bah, c'est la best des familles, eh ben, elles font souvent de rire. Je coup, tout à fait cette situation. Il y a tout le monde qui... Ah ouais, elle est bonne celle-là. J'en ai marre, Julie, on t'aime. Allez, retourne faire du coloriage. J'ai pas envie de faire. Ouais. Retourne faire du coloriage. Mais j'ai pas de crayon. Ta gueule. Mais j'ai pas de bras. Ta gueule. Super, on va faire le ballon alors. Non, tais-toi. Arrête, on a pas le droit de raconter cette blague. Tu sais très bien. De quoi? Non, c'est une blague que je te raconterai dès que la vidéo sort. Tais-toi! Juris, tais-toi! Tais-toi, sinon je te mute pour toute la fin. Oui, un paraplégique. Oh non. Allez, je le mute.
Non, mais c'est bon, là, c'est trop. Ça dégage. Joris, encore une fois, je te le dis. Fais très gaffe. Tu veux persécuter. Yes, sans... on voit qu'on a beaucoup de sujets de conversation, en tout cas. C'est vrai qu'à part les blagues de merde, honnêtement, pas grand chose, hein. Et, y a plus de saison, dites donc. Quel sujet gênant. Et y a plus de saison. Bon, ça c'est une phrase normalement que tu dis dans l'ascenseur. Et y a plus de saison. Lui d'un long silence gênant. Ouais, pourquoi tu parles en fait? C'est ça. Je recasse toi. Ouais, il fait beau en ce moment. Bah, il fait nuit là en fait. Antoine. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, Antoine, respire. On est ensemble. Et... mais. On est ensemble dans la dépression. Ouh. Oui. Oh non. Oh non, j'ai fait ce truc. Vu que ma touche pour loot c'est X, j'ai fait ce truc de en tapant et en avançant, j'ai appuyé sur X. J'ai lancé mon arme. Ta touche pour loot. Mec, n'oublie pas ce que tu m'as dit, que ta touche pour tourner sur les côtés sur Rocket League, c'est clic droit et clic gauche. Ah bah t'es une merde toi par contre. Non, c'est pas clic droit et clic gauche, c'est le seul bouton de ma souris. Bah donc c'est encore pire. Ouais. C'est bouton 4, bouton 5. Oh c'est encore pire. Mec, pour bouger, c'est ZQSD, c'est... y a pas de... ouais. C'est la base. C'est personne n'utilise ça. Bah si, tout le monde, sauf moi, mais moi je suis bizarre. Toi tu utilises quoi Thomas? Moi j'utilise WASD, c'est les touches anglaises. Ah ouais, mais voilà, WASD, ZQSD, c'est les touches de base. Ouais. Z et S, et après les boutons de la souris pour tourner sur les côtés, c'est chelou Joris. Je suis quelqu'un de bizarre Joris. Taper 1. Non, ouais non, alors non. Je peux pas faire de taper 1. Je crois que j'ai vu du diamant là-bas. Attends. Ah ben non. Quand même, je tiens à dire que bon, on a toujours pas trouvé de diamant et c'est un peu scandaleux. Bah, moi je suis en train de construire ma base donc. Pas non. Ouais, moi je suis en plein dans les mines. Parce que j'ai déjà mon petit projet de base. Voilà, pourquoi je sens que ta base va être absolument dégueulasse? Pourquoi tu critiques déjà? Parce que t'es. Oh non. Oh la tristesse de ce qui vient de se passer. Oh non. Hein? Oh non. Mais putain. T'es la pire de merde. Non mais gros, il y avait. Tu sais parfois dans les grottes il y a des trous qui descendent vite. Genre. Après dans les trous quand on se moquait de moi parce que je savais pas jouer. Et genre, il y avait une source d'eau. Donc j'ai fait. J'ai bientôt fini. Et tu sais, j'ai fait bon, je vais sauter. Et à la fin, j'atterrirai dans l'eau. Et il y avait un bloc qui m'a empêché d'atterrir dans l'eau. Bolos. À la fin. Alors, t'as utilisé l'expression bolos. Déjà de base. Donc, t'as pas le droit à la parole pendant. Ouais, mais c'est pas minutes. Toi qui décide. Non, voilà, pendant 2 minutes, on t'entend pas. Ah, dans 2 minutes, Joris. Ah, dans 2 minutes. Joris. Vraiment 2 minutes? Vraiment 2 minutes. C'est long? C'est vrai. Allez, 2 secondes. Ah, dans 2 secondes. 1, 2. Allez, tu peux reparler. Salut Joris. Ah ouais, mais non, mais c'est chiant. Allez, 10 minutes. Allez, 60 minutes de ban sur Discord. Ah, tout à l'heure, Joris. On me dit dans l'oreillette qu'il y a eu un gros blanc. Après cette blague, toute bleue. On va envoyer un reporter spécial sur pour les personnes. Reporter.
Y'a un mec qui rejoint la conve et son pseudo c'est reporter spécial. Alors, ce blanc. Puis, nous on fait, bah ça va. Et après il repart. C'est vraiment le métier de merde, tu sais. Ouais. Juste tu dois rejoindre la conversation des gens et leur demander si ça va. Ouais. Carrément d'accord avec moi. Ouais. Je suis d'accord avec moi-même. C'est beau. C'est dur. Ça a pas toujours été facile, hein. Dès mon plus jeune âge, j'ai été confronté à la dure loi de la réalité en perdant deux bras et deux jambes. Ouais, c'est pas simple. Pas simple la vie de genre. Joris, si tu fais cette blague, n'oublie pas ce qui t'attend. Il a perdu son cœur, carrément. Genre le mec, GG. Comme disait Jones. Non. Pardon. Excusez-moi. Comme Jones, hein. Et là, alors, on a plus de bras. Comme disait Jones. J'imagine le père gênant. Pour le coup, là, c'est plus le truc qui est gênant, mais t'inquiète. Eh non, mais. Moi, je suis swag. Hein. Oui. Rien que ça. Tu sais que j'ai déjà mis, que j'ai fait une vidéo qui s'appelait la vidéo du YOLO. Oh. C'est-à-dire c'est que chaud. Vraiment, elle s'appelle la vidéo du YOLO. YOLO, ma man. Ce mot, YOLO. Directement après cette vidéo. Non, ben non, 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 ne faites pas ça. Pardon. Ah oui, oui, si oubliez vous... cette vidéo de votre mémoire, s'il vous plaît. Si vous faites ça, on troll Antoine jusqu'à la fin de la série. Oui. Par qui fait d'être parlé dans les commentaires. Mais attends, je vais vite te dire, tu sais, maintenant il y a les données analytics, ce qui fait que je peux te dire quand précisément les gens ont regardé la vidéo. Par qui fait lettre par lettre dans les commentaires. Attends, ça c'est vraiment un post Insta. Oh non, tu sais, il y a les bruits stressants dans les cavernes. Quand ça fait. Hein tain. Ah. Tu sais, il y a des bruits genre sans raison, c'est des bruits sans raison. Putain, ça. Baptiste, pourquoi t'as pas refermé la porte en partant? Ah, street. Merci. Il y avait un creeper juste derrière moi. Yes. Hey, mais y'a pas de porte chez toi. Mais imagine un SDF qui veut en cours. Et attention, c'est horrible ce que je veux dire. Oui. Et la prof elle lui dit la porte, y'a pas de porte chez toi. Ben non. Ben non. Ben non. C'est vraiment horrible. Oui. La vidéo de la démonétisation de la chaîne. Exactement. Qui n'est même pas monétisée, donc c'est ça qui est encore pire. Parce que c'est à un moment YouTube ils arrivent, ils démonétisent une vidéo qui n'est même pas monétisée. C'est encore pire. C'est dire que tu dois donner de l'argent. C'est ça, c'est toi qui donnes de l'argent. Dans l'obligation de donner de l'argent. Parce que votre vidéo est démonétisée. Mais elle était pas monétisée. J'en ai rien à foutre ça monsieur, je veux pas savoir. Alors on mine en attendant. Eh mais comme le nom du jeu, genre Minecraft. Allez. Non mais après, dis-toi que dans les blagues gênantes, il y en a 50% qui sont fait exprès, 50% qui sont réellement gênantes. Donc, bon. Ouais, bah du coup, je veux dire 50... Enfin bref. Voilà, ça par exemple, ça fait 50 qui étaient pas vous. Tu te mens. Après, il faut savoir, dans la conve, les 50% d'enfants non voulus. Bonne chance pour les trouver. C'est-à-dire qu'il y en a au moins un ou trois qui est pas voulu. Qui est pas voulu. Comment ça qui est pas voulu? Ah, on sait qui c'est. D'accord, on parle de toi, Antoine. Quoi? Non, c'est pas. D'accord, on parle de toi là, Antoine. Non. Ah. Yes, les amis. Ah non, je voulais que le blond dure. Pour que les gens mettent dans les commentaires. Et trop XPTDR, j'ai été gêné à 28 minutes 13. Oh putain, y'a un creeper! Ah, je vais vraiment te crier parce qu'il y a un creeper. Je crie fort quand même. Ouais, tu cries un peu fort. Oh, y'a un creeper là-bas. Je vais mourir. C'est un peu trop bon. Y'a trop de creepers là. Non, mais on. On parle que ma base c'est vraiment de la merde. Comme toi, enculé. Je m'étonne pas. Pardon. Très méchant.
s'est pris là en moins de 10 secondes. Bon, on va rentrer à la base, même si ici ça regorge finalement de ressources. Ça regorge. Ça dégorge. Ah non. Oh non, c'est dégueulasse. On en est à 58 minutes là, non, pour le truc 2. On est à 29 minutes. Voilà. Déjà. Tu commences déjà à me casser les couilles. Donc il va clairement avoir deux épisodes de ce truc. Ah non, mais je comptais pas tourner le troisième épisode maintenant. Hein. Non, mais non, on est d'accord, par contre. C'était un show babda. Moi j'étais plutôt partant. Hein. Ouais, je suis plutôt anglophone. Oh non! Il fait que crever le con. Je vais péter un plomb. Surtout que je n'ai pas de lit. Bon, donc on va aller chercher mon stuff et bon, après on se quittera. Antoine, quoi? Tu s'approches, j'ai pas joué à Minecraft. Ouais. Oh gros, mais. Ah, mais t'es. Ah! Venez à. T'es le pire mauvaise foi. Tu sais ce qu'il a fait, Joris? Vraiment, il sait pas se servir des coordonnées Minecraft. Mec, arrête d'essayer de te rattraper en disant comme ça. Mec, c'est vrai? Tu ne sais pas te servir des coordonnées Minecraft? J'aimerais. Bah, maintenant là. Je sais que je vais me faire chier moi-même, mais extrait des ornithorynques où il se perd. Vous voyez? Scandaleux. Il s'est perdu. En gros, je lui ai dit que j'étais à tel endroit. Il est parti vraiment à l'opposé. C'est absolument scandaleux. T'as pas écouté? C'est bon? On peut t'as retrouvé ton stuff? Ben non, là je suis en train de sortir, de descendre dans ma cave. Et oui, parce que j'ai toujours pas de lit. Mais je me rends compte qu'on avance que très peu. Ah, c'est quoi ces bruits qui font peur? Ah oui, c'est les bruits de cave, c'est ce que j'appelle les bruits de cave. Oh, bah, est-ce qu'on peut avancer hors cam? Oui, vous pouvez avancer hors cam. Il y aura sûrement. Oh, il y a du miel. Et je vais pas OP Joris parce que je sais que sinon hors cam il va se guider des choses. Ah oui. Totalement faire ça. Vas-y, je me casse. Ok, j'ai récupéré tout mon stuff. Est-ce qu'il y a tout? Ouais, il y a l'air d'avoir tout. Oh non, mes torches! Mes torches! Ah non, mais je crois que mes torches elles ont cramé tout à l'heure. Hein. Ça sert à rien. C'est une blague très bof. Le torche le cul. C'est ce que j'ai dit! Oh non! Fatiguant. Ces gens. RDV demain pour le troisième épisode. Hein. Non, moi j'ai dit deux épisodes déjà pour une série, c'est bon. D'accord, merci, mais c'est ça. En fait, on est. Mais mec, on est lundi, tu peux vite le monter et sortir aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je vais le monter en moins de 1 heure. Mec, là je t'explique des épisodes de 30 minutes rien qu'à rendre, ça dure des meilleurs. Rien qu'à écouter le truc. Non, c'est... alors je vais pas la regarder en entier parce que tout. Si c'est marrant. Si c'est drôle. Bah tu me l'envoies s'il te plaît parce que moi vu que je vais me faire chier. Je crois que c'est jamais. Tu me l'envoies et au moins bah. Dès que des fois je regarde les épisodes d'un temps qui. Et tu. T'es nostalgique. Des fois je regarde les vidéos que j'ai postées sur mon ancienne chaîne. Oui, il y a tout. Moi aussi. Non, y'a ouais, plus en tes fait, vidéos, mon pain. En fait, moi j'ai 136 vidéos. Quoi? J'ai une chaîne que tu ne connais pas. Vas-y, donne-la moi, gros. Gros, je t'ai donné. Jamais tu la connais. Mais si, vas-y, fais croquer, gros. Moi. Vas-y, fais croquer, gros. Non, mais gros, moi je t'ai montré le Creeper 13, mes vieilles vidéos et tout. Non, mais ça, c'est facile à trouver. Non, non, tu vas m'envoyer tes anciennes vidéos. Au final. Toi, mec. Voilà, gros, parce que. Tu trouves une ancienne vidéo. Bravo, parce que j'avais ma première chaîne YouTube, faut savoir que j'avais fait avec un pote et la chaîne elle s'appelle The Gamer. Ah, The Gamer. De 1, 2. Non, mais elle existe plus cette chaîne. Donc. Bah, arrête de mentir. Ouais. Bah, essaye, vas-y, elle existe plus cette chaîne. T'inquiète, de toute façon, on va régler ça en privé. Il a bon. Renommé. Sur ce, c'était le Creeper 13 en compagnie de Tomasio. Tom Tom 13190, bon, voilà. Et Jorgius. Chavos.
I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.